Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du thème vie de maman. Donc voilà, j'ai acquéri un tableau de récompenses pour les enfants. Et du coup je vais vous montrer à quoi il lui ressemble et ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc si vous voulez voir la vidéo, let's go. Donc voilà, c'est un tableau de récompense de la marque Smart Panda. Je l'ouvre avec vous. Donc à l'intérieur, on y retrouve 4 feutres Velleda à aimant, ainsi que 3 packs d'étoiles aimantées. Donc voilà, ils sont à découper. On y retrouve une petite pochette pour les stocker à l'intérieur, une petite ficelle pour accrocher au tableau. Ensuite, on y trouve le tableau des tâches à effectuer que l'on reporte sur ce tableau même. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les phrases sont en espagnol. Donc, à la suite de ça, j'ai contacté le vendeur qui s'excuse et qui malheureusement ne peut pas me renvoyer de fiches. Du coup, il m'a envoyé un colis surprise avec sa nouveauté du moment. Donc j'espère que ça va me plaire et que ce sera un super concept. Et d'ailleurs, je vous le ferai découvrir dans une prochaine vidéo. Et voici le tableau semainier. Donc vous pouvez même, limite, au lieu de coller les vignettes, écrire ce que vous voulez que vos enfants fassent dans ces petites cases. Ensuite, sur ce tableau, vous y collez ces petites vignettes en haut. Donc vous mettez le prénom de vos enfants, le nombre d'étoiles qu'il a accumulé, l'objectif d'étoiles à atteindre et la récompense qu'il souhaiterait avoir. Et s'il réussit à avoir le nombre d'étoiles demandé, il peut avoir sa récompense. Nous allons assembler le tableau ensemble. C'est parti. Alors donc voilà, j'ai rempli le tableau. Donc j'ai noté, au lieu de mettre les petites vignettes qui sont en espagnol, j'ai préféré écrire. Les petits devront faire pipi, faire caca, mettre leurs pantalons, enlever leurs pantalons, écouter papa et maman, faire les devoirs, ça c'est pour la grande. Ranger la chambre pour la grande et aussi pour les petits. Ranger les jouets, c'est pour les petits et la grande. Se brosser les dents, pareil, c'est pour les trois. Et dire merci, c'est pour les trois. Voilà, donc j'ai mis en bas leur récompense. Les petits, j'ai déjà calculé à peu près leurs objectifs. Luna, je ne l'ai pas encore fait. Et voilà, donc par exemple, ce matin, Maëlle a été faire pipi sur le pot. Donc je lui mets sa petite étoile. Et Naïm, c'est pareil, donc je lui mets aussi son étoile. Et Luna, il n'y a pas besoin, mais par contre, Luna a s'est brossé les dents. Donc voilà, je lui mets aussi son étoile pour la journée. Voilà. Et chaque jour, le tableau doit être rempli avec les 3 étoiles de couleur pour chaque enfant. Donc voilà, je vous retrouve quelques jours après. Et du coup, je viens de recevoir un colis de la poste. Et en fait, le vendeur qui m'avait envoyé ce tableau me l'a renvoyé une deuxième fois. Donc du coup, en fait, je l'ai en double. Et ce que je vais faire, je vais peut-être l'utiliser. Vous savez, pour faire les menus à la semaine ou je sais pas, je vais voir ce que je peux faire avec. Sinon, j'ai récupéré les vignettes en langage français. Donc franchement, le vendeur est très très sympa. Franchement, vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous voyez là, les étiquettes, elles sont en français. Celles-ci, je ne les ai pas mises sur le tableau. J'ai remis du coup le nom de chaque enfant, donc en français, l'objectif d'étoile à atteindre pour chaque enfant. Donc du coup j'ai récupéré plein de petites étoiles, donc c'est bien, je vais pouvoir faire un autre système de tableau. Donc je vous en ferai part dans une prochaine vidéo, je pense. Et vous voyez là, c'est les objectifs de la semaine à atteindre. Donc faire mes devoirs, prendre une douche ou un bain, ranger ma chambre, ranger mes jouets, me brosser les dents, mettre la table, montrer du respect, donc dire merci, s'il te plaît, enfin voilà, écouter les papas et les mamans, manger des légumes parce que mes enfants ils ont vraiment du mal, apprendre à s'habiller tout seul, donc pour les petits, et utiliser mon pot, donc voilà, pour les petits également. Donc franchement, je trouve que ce concept est trop bien. Et j'ai vraiment hâte de le tester dès aujourd'hui et je vous en ferai part sûrement sur Instagram ou dans mon blog. D'ailleurs, je vous mettrai aussi le lien de mon blog en barre d'infos.
Donc franchement, je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir utiliser le tableau et mettre les petites étoiles à mes loulous. Voilà. Alors dites-moi en commentaire si ce type de tableau vous plaît, si vous l'utilisez déjà à la maison. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce tableau de récompense vous a plu. En tout cas, je suis super contente d'avoir investi 18 euros dans ce tableau parce que je le trouve génial. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien sûr, vous inquiétez pas, je pense que vous n'allez pas être malchanceuse comme moi et tomber sur les vignettes en espagnol. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.